Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Madventure. Et je suis très content de vous retrouver pour... aujourd'hui, on est dimanche, normalement, si je ne dis pas de bêtises, au moment où sortira cette vidéo. Alors, pourquoi il y a un grand espace entre cet épisode et le dernier? Bah, tout simplement parce que je pense que ça va me demander un petit peu pas mal de montage, et pas mal de temps, parce qu'aujourd'hui, on va... continuer notre projet du dôme sous l'eau et ça va prendre beaucoup de temps. Alors vous voyez, j'ai changé de skin, d'ailleurs je suis transparent, ça c'est un bug du shader, hein. Si je suis transparent, je pense que c'est parce qu'il pleut et c'est un peu bugué. Donc ouais, j'ai changé de skin, j'ai repris mon skin de l'été parce qu'on approche un petit peu, bah voilà, il commence un peu à faire beau de temps en temps, et puis voilà, un petit masque évidemment parce qu'il faut se protéger évidemment. Alors les amis, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'ai voulu commencer ici, bah tout simplement parce que je suis allé chercher de la prismarine dans les bases des autres, hein. Je me suis pas cassé la tête. Aujourd'hui on va faire les cœurs de la mer, les Heart of the Sea, et on va se faire plaisir. On va faire... alors je vais vous expliquer, j'ai réfléchi, j'ai eu pas mal d'idées, vous m'avez d'ailleurs proposé des idées en commentaire, etc. Déjà il pleut, donc on va se réfugier directement dans la maison. Oh non, Vanny, mon petit cheval, il va avoir froid. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, j'ai préparé beaucoup de choses et j'ai beaucoup d'idées. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Alors, regardez juste ce que j'ai fait. Voilà, petite déco, si on peut appeler ça déco. Je me suis fait un petit kiff. J'ai... pareil, je me suis inspiré sur Discord. C'est un abonné sur mon Discord, n'hésitez pas à me rejoindre, qui avait mis ça dans le salon des screens. Et je me suis inspiré. En fait, ça fait un petit pont, en fait. Et en fait, bah, c'est les fire camps, là. Les camps de... comment ça s'appelle? Enfin bref, les feux de camp quoi. Et du coup ça fait comme un petit pont. Et du coup ouais, je sais pas, enfin ça rajoute un petit truc sympa dans la base. Et puis voilà, on a notre petit chien Coco. Je lui ai mis un collier bleu cette fois-ci, voilà. Je lui ai changé la couleur pour faire un petit plaisir. Est-ce qu'on peut dormir là? Parce que c'est insupportable. Ah très bien, ça c'est bon ça. Ça fait plaisir. Alors les amis... alors oui, il y a eu beaucoup d'avancées, regardez ce qu'elle fait, enfin BX Snow, c'est incroyable. Je vais pas trop vous spoil, je vous laisse aller regarder ça sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez, je mettrai en description, mais j'ai rédigé un article sur mon site mcolo.fr sur les avancées du coup de Madventure. Je vous laisserai lire tout ça. En tout cas, voilà, donc j'ai eu des idées. Premièrement, alors attendez, regardez, c'est bon, j'ai 12 Nautilus Shell, donc on va pouvoir se faire un Heart of the Sea. Pour vous expliquer, eh bien c'est BXNO qui a trouvé un trader et elle l'a enterré. Donc j'ai eu le temps d'ailleurs de faire les échanges avec lui. Donc il nous a échangé des Nautilus Shell et j'ai bien fait. Pourquoi? Parce qu'il a des pop. Voilà, faut savoir que les traders, ils dépop au bout d'un moment et ils respawnent ailleurs. Donc on s'est fait avoir, mais heureusement j'ai fait les échanges assez vite avant qu'ils dispawnent. Donc voilà, maintenant c'est cool, on va pouvoir faire ça. Alors, normalement on craft ça comme ça. Hop, donc on va pouvoir s'en faire qu'un seul. Voilà, et on a un conduit. Ce conduit, faudra le mettre dans l'eau et faudra l'entourer de prismarine. Donc ça, on va découvrir ça ensemble. Enfin, peut-être que vous connaissez pour la plupart, mais moi je ne sais pas. Enfin, je l'ai jamais fait en tout cas. À côté de moi, j'ai des screens pour m'aider, bien évidemment, je vous rassure. J'ai des shulker box avec plein de trucs sur moi qui vont nous être fort utiles pour la suite. Le sable, j'en ai déjà dans les shulkers. J'ai pas mal d'éléments de déco. Et en fait, mon idée, les amis, ça va être de créer une ville sous-marine. Voilà, on va créer une sorte de ville sous-marine avec des lanternes, avec des lampes, avec des chemins, avec plusieurs dômes de verre. Les dômes de verre, on va les relier avec des petits tunnels. Ça, c'était ce que vous m'aviez proposé en commentaire. Enfin bref, c'est vraiment... c'est vraiment vraiment cool quoi. Vraiment vraiment cool. Et j'ai eu pas mal de petites idées également. Je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai demandé à BXNO ce qu'elle en pensait. Mais en gros, regardez, elle est en train de faire une petite cave, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors elle a pas avancé encore, mais elle est en train de faire une petite cave. Et je me suis dit, bon, elle le fera, hein. Là pour le moment ça ressemble à rien, mais dès que ce sera bon, eh bien on fera un petit accès qui nous mènera directement à un des dômes sous l'eau. Voilà, parce qu'on fera plusieurs dômes, et comme ça on pourra sans se mouiller, eh bien accéder au dôme en passant sous terre. Donc ça va être un long tunnel, et ça va être vraiment cool. Et pareil, j'aimerais relier le dôme de verre, j'aimerais le relier avec ma maison champignon qui est à l'autre bout là-bas, dans la forêt. Donc ça va faire des grands tracés sous terre et ça va être vraiment cool. Voilà, c'est un petit peu l'idée que j'ai eue. Voilà, je me suis fait des petits schémas, j'ai dessiné sur du papier. Enfin bref, ça ressemble à rien, mais au moins je comprends. Donc c'est plutôt cool. Alors avant qu'on y aille, je vous montre juste le livre des abonnés et comme ça on sera parti. Donc voici les nouveaux noms. Vraiment les gars, hein, y en a encore en commentaire qui disent « Ouais, est-ce que tu peux me mettre s'il te plaît ?» Mais vous êtes déjà dans le livre, alors regardez-vous bien les amis. Voilà, donc pour les nouveaux noms que j'ai rajoutés. Et la dernière page, donc voilà, je vous invite à mettre pause pour voir vos pseudos, bien évidemment. Et par contre, si vous y êtes pas, bah, vous me demandez en commentaire et je vous mets avec grand plaisir, bien évidemment. Voilà, un truc que vous... ah oui, alors attends, ce qu'il faut faire, j'ai de la terracotta sur moi et on va faire de la terracotta blanche, puisque c'est une abonnée qui se reconnaîtra.
On va pas aller loin. Ah si, j'en ai 40. Ça suffira peut-être pas. Mais c'est une abonnée qui m'a proposé ça, donc on va y aller. C'est parti, on va y aller pour le dôme qu'on a construit donc dans le dernier épisode. Merci pour vos retours, par contre, vraiment, ça fait très très plaisir. Mais voilà, donc de faire les murs en terracotta blanche, puisque bah déjà le quartz. On en a déjà au sol, après ça ferait trop, hein. Pour le coup ça ferait trop, et puis ça fait une petite teinture rosée d'après l'abonné en question, donc c'est une plutôt bonne idée. Donc on y va les amis, on va aller dans notre dôme. Pour rappel, pour y accéder, on passe sous l'eau, hein, on va y aller sous l'eau. J'ai pas un bateau sur moi, ah je suis pas malin, j'ai pas pris de bateau sur moi, je suis un débile, c'est pas grave, c'est pas grave, on va y aller, ça va aller assez vite. Donc ouais, et on fera aussi donc un tunnel sous terre. Donc là, sous l'eau, là, voilà, là, sous terre, vous voyez, eh bien, on fera un grand tunnel qui nous mènera donc au dôme. Et les gars, on va pouvoir aussi se faire le Heart of the Sea, donc le cœur de la mer. Et j'ai eu pas mal d'idées, je vais vous montrer. Attendez, je vais juste reprendre ma respiration. J'ai eu quelques petites idées. Donc j'aimerais vraiment faire plusieurs dômes. Je vais enlever le shader une fois qu'on sera arrivé. Je vais enlever le shader. Je vais vous montrer d'ailleurs, parce que j'ai avancé un petit peu dans le dôme. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Parce que vous voyez qu'il y a déjà de la lumière et tout, et ça il n'y avait pas hein, dans le dernier épisode, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc premier moyen d'accéder au dôme, bah, donc c'est d'y aller sous l'eau, hein. De toute façon on pourra respirer sous l'eau bientôt. Et puis on fera donc des tunnels. Alors voilà à quoi ça ressemble pour le moment, donc je me suis fait un petit kiff. C'est-à-dire que j'ai mis donc les demi-dalles comme prévu, et ici j'ai fait un petit renfoncement, voilà, pour ajouter un peu plus de relief. J'ai mis, regardez comment c'est beau, oh c'est magnifique. J'ai mis donc des prismarine lampes sur les côtés, voilà, de manière symétrique. Bon, il y avait un petit problème de symétrie, donc là on se retrouve avec un bloc, alors qu'ici il y en a deux. Mais je veux dire, ça reste symétrique, hein, mais vous m'avez compris. Et donc là on va remplacer donc la stone, ah oui par contre, enfin la stone et le sable, hein, on va remplacer les deux, par justement la white terracotta. Donc on va voir à quoi ça va ressembler. Alors attendez, j'ai une pelle sur moi, ça va être bien plus pratique. Voilà, ouais, en effet c'est plus rosé. Par contre je vais enlever le shader. Je vais enlever le shader parce que on voit pas très bien. On voit pas très bien. Donc écoutez, on va déjà poser eh bien la terracotta, hein. Et puis après on. Ouais, oh, ça va être sympa comme ça. Ouais, c'est cool. Ça se marie bien. Ça se marie bien. Et je vais vous parler des idées que j'ai eues du coup. Parce qu'à la base j'avais commencé une phrase mais je l'ai pas terminée. Donc c'est incroyable. J'ai une idée les gars. Je suis très content. En fait j'aimerais faire donc plusieurs dômes de verre. Autour de ce dôme principal, d'accord. Mais d'ailleurs les dômes ce sera des petits dômes, tu vois, j'ai pas envie de faire des géants dômes. Et comme là-bas il y a des coraux, là, vous voyez, il y a beaucoup de coraux, hein. Si on y va là, c'est là-bas qu'il y a beaucoup de coraux. Donc ce que j'aimerais bien faire les amis, c'est une mini bulle, genre là au milieu des coraux là. Vous voyez, genre à quelque part là au milieu des coraux, j'aimerais faire une mini bulle, genre un mini dôme beaucoup plus petit que celui-là, énormément petit. Et en fait genre, alors par contre je vais me noyer, donc on va éviter de mourir. Attends, on se calme. Allez, come on. Et en fait, faire un accès, genre un tunnel sous terre, là, tu vois, genre pas un tunnel à la surface, pour accéder à cette petite bulle. Et en gros, j'aimerais faire des délires comme ça, genre faire, tu vois, genre par là, on pourrait mettre un tunnel à la surface, on pourrait mettre un tunnel à la surface par là. Mais j'aimerais bien faire aussi des tunnels sous terre, donc notamment pour rejoindre la maison de BXNO là-bas, également pour rejoindre notre salle à objectif, mais également pour accéder à des petites bulles qui sont au milieu des coraux. Et comme ça, on pourrait se mettre sur un petit canapé et regarder au-dessus de soi, voir les coraux, les dauphins passer. Vous voyez ce que je veux dire? Genre un petit coin de chill sous l'eau. Voilà, enfin voilà, franchement, je pense que vous voyez l'idée. Et je pense que, enfin j'espère que ça vous plaît cette idée. Moi, franchement, je suis grave hypé de ouf. Et j'ai vraiment le projet en tête, j'ai vraiment l'idée en tête. Et c'est ça ce qui est vraiment ouf, je suis motivé à donf parce que j'ai vraiment le truc en tête. Donc peut-être que vous voyez pas vraiment comme moi je vois les choses. Mais en tout cas moi j'ai vraiment mon plan en tête, donc je saurai vraiment comment réaliser comme je le veux. Et ça c'est vraiment cool, vraiment je suis hypé comme jamais. Et je suis trop content d'y arriver. Là on va essayer de faire un conduit, enfin le truc pour respirer sous l'eau, hein, bien évidemment. Donc j'aurai pas assez malheureusement de terracotta. Donc il faudra que je me débrouille pour en faire plus. Je vais poser, attendez, les shulker box. Donc là, je vais pouvoir les poser à même le sol. Donc regardez tout ce que j'ai pris sur moi. J'ai pris des lanternes, camp de feu, j'ai pris des bois, des cobblestone walls. Ça va être pour faire des lanternes, je pense. On va essayer de faire des lanternes donc sous l'eau. Enfin, c'est genre des lampadaires, je voulais dire, pardon. Vraiment, je vais faire une ville sous-marine, quoi. J'ai pris des fleurs, de la canne à sucre. Enfin voilà, peut-être pour de la déco, éventuellement des cactus aussi. Sait-on jamais si ça sert à quelque chose, quoi. Donc on va, vous savez quoi, on va faire ça méthodiquement. Donc en fait, les cœurs de la mer là, pour qu'on, enfin les conduits pour qu'on puisse respirer sous l'eau, je crois ça c'est assez grand la portée. Mais comme je pense que par là il y aura rien et que je pense que je vais concentrer tout par là-bas, je vais mettre le cœur de la mer vers ici, en toute logique. Je pense, genre je vais le mettre là en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ce serait pas mal. On va faire ça comme ça. J'ai peur que ce soit un fiasco, mais on va essayer. C'est parti les amis,
J'ai un screen à côté de moi, donc je vais essayer de bien faire les choses. Et j'espère que je vais y arriver. 1, 2, 3. Faut que je le mette à 3 au-dessus du sol. Alors, 1, 2, 3. Je le mets là. Ok. Ensuite, il faudra que je casse les... Attends, là, je vais crever. Attendez, il faut que je fasse des allers-retours parce que je vais vraiment crever. Ce serait vraiment dommage. Ce serait vraiment dommage. Ensuite, il faudra que je casse les blocs. Il faudra que je casse les blocs de cobble. Je vais préparer la prise marine. Ça, je vais garder au cas où. Hop, c'est parti, on y retourne. Et il va falloir que je mette à 5... Enfin, 5 blocs autour. Oh, les gars, je sais plus. Attendez. Bougez pas. Et en gros... Ici, 1, 2, 3. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, je rajoute deux blocs ici, et ensuite, faut juste que j'entoure, en fait. Faut juste que j'entoure. Et ça marchera déjà, en fait. Ça marchera déjà sur une faible portée, mais au moins, ça marchera déjà pour pouvoir respirer et continuer le truc. Hein. Normalement, ça va marcher. Hein. Il me semble. Je découvre, c'est vraiment la première fois que je le fais. Je l'ai même jamais fait en créatif sur un monde ou quoi. 1, 2, vite. 2, 3, 4, 5. J'espère que ça va marcher. C'est bon ? Ça marche ! Ok, c'est bon, ça marche. Donc là... Ah oui, ça donne vision nocturne. Conduite power. Donc là, voilà, ça me donne vision nocturne et respiration infinie. Et d'ailleurs, oh putain, il y a une épave ici. Voilà, j'avais même pas vu. Oh, c'est beau. Et donc là, déjà, ça nous permet de voir tout le potentiel qu'on va pouvoir faire. Là, on va mettre des bulles de verre et on va pouvoir faire des dômes et tout. Là, est-ce que je peux encore respirer ? Yes, regardez. Franchement, la portée, elle est pas mal. Hein. Je vais encore m'éloigner un peu. Là... Ah là ça réduit, ah là je suis trop loin. Ok, donc j'ai vu qu'on peut agrandir le truc. Comme dit, j'ai un schéma à côté de moi, donc ça c'est pas mal. Bon, en tout cas, déjà je suis content, c'est que ça marche. Je suis content, c'est que ça marche. Donc on va pouvoir tranquillement casser ça. Ah ouais, en plus je casse vite les blocs, mais c'est énorme. C'est super cheaté. Donc normalement je peux faire ça. Alors j'aurais pas dû casser le bloc parce que je peux faire 1, 2. Ensuite, 1, 2. Ensuite, tac. Tac, 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 tac. Oh, c'est classique, hein. Je pense que vous connaissez tous. C'est vraiment très classique. J'espère que j'aurai assez de prismarine block. Hop. Normalement, j'aurai assez. Là, faut aussi que je le fasse. Alors, je sais pas, est-ce que ça augmente... Oui, ça augmente, en fait... En faisant ça, ça augmente la portée. Alors, par contre, là, je pourrais pas... Ah si, c'est bon. Tac, tac. Me dis pas que j'ai tout pilassé. Ah, c'est bon. Et ben voilà. Là, ce que je viens de faire, est-ce que c'est bon? Je pense que oui. Et là, normalement, ça augmente la portée. Attendez, laissez-moi vérifier que j'ai pas fait une connerie, parce que ça me paraît bizarre. Il y a un truc qui me paraît bizarre. Mais visiblement, c'est bon. Ça m'a l'air d'être plutôt bon. Donc on va s'éloigner de nouveau. C'était au niveau du corail jaune que ça marchait plus, donc on va voir si ça marche. Ah, c'est cool, en tout cas. C'est trop bien. Alors voilà, si je me mets ici, ça marche encore. On va aller encore plus loin. Donc c'est ici que ça marchait plus, hein, on va voir. Ça marche encore. On va encore plus s'éloigner. Et ça marche encore. Oh, les gars, je crois que je l'ai placé au meilleur endroit. Hein. Franchement, j'ai bien fait d'avoir mis là. Ça marche encore, les gars. Regardez, il est super... Le truc, il est là-bas, quoi. Et ça marche encore. Oh, mais je découvre. Hein. Franchement, là, je suis comme un gosse. Hein. Je suis comme un gosse. Ok, là ça marche plus. Mais putain, mais c'est, on est allé méga loin. Donc là, on a vraiment un périmètre. C'est comme pour le confinement, la zone de 100 km. Genre là, c'est gigantesque, c'est énorme. Genre là, on peut aller voir le bateau sans se noyer, en fait, normalement. Donc c'est bon, ça. Bah attends, c'est quoi, on va aller voir le bateau tant qu'on y est. Je crois qu'on l'avait déjà vu, en vrai. Je pense qu'on l'avait déjà vu. Oh, mais regardez, il y a des structures et tout. Je découvre, hein, franchement, du coup, j'ai jamais vu cet endroit vraiment. On n'a jamais pu vraiment voir. C'est trop stylé. Là, je peux encore respirer. Putain, mais... Quel plaisir. Non, ça se peut, en vrai, on n'a même pas fouillé ce bateau. Attendez, on va voir, hein. De toute façon, ça va être vite vu. Hein. Ça va être vite vu. Alors. Bonjour. Eh ben, il a même pas été fouillé. Hop, du charbon, des soupes, hein, du papier. Tu vois, ce bateau, il a même pas été fouillé. Alors, attends, normalement, il y a un deuxième coffre. Enfin, non, peut-être pas, en fait. Non, il y a peut-être pas de deuxième coffre, ici. Si, je pense qu'il doit y avoir un deuxième coffre. Attendez. Déjà, c'est bien, j'ai une bulle d'air, là. Ah, du coup il fait nuit, regardez. Ah ouais, du coup, parce qu'on n'a pas la vision nocturne quand on n'est pas dans l'eau. Le conduit de power, ça marche que quand on est dans l'eau. C'est excellent. C'est excellent, ça. Bon, du coup. Ah non, je pense qu'il n'y a pas de deuxième coffre. Hein. Attends, je peux pas nager, gros. Ah si. Non, il n'y a pas de deuxième coffre, je pense.
Putain, ça fait trop plaisir. Ça marche, je suis fier de moi. Je suis trop content, vraiment je suis trop content. Donc là voilà, l'idée c'est de faire donc une ville sous-marine, vraiment. Genre on va faire des routes, genre comme si c'était un village PNJ, on va faire des chemins, on va mettre des lampadaires, on va faire donc plusieurs dômes. Enfin voilà, franchement, et les gars on va commencer ça tout de suite bien évidemment. Mais je suis trop content parce que voilà, comme dit, avec ce conduit de power là, bah on peut tout faire. Oh bonjour toi. Oh il a une notice du shell dans la main. Regardez, mais c'est excellent. Eh hey, gros, viens par là. Attends, mais beaucoup trop de chance aujourd'hui. Ah, ça marche pas les flèches sous l'eau par contre. Attends, tu sais quoi, je vais l'attirer vers le... Voilà. Comme je le pousse, je vais l'attirer par là-bas. C'est bon ça. Allez, fais-moi plaisir, loot-moi. Eh ben voilà, une nouvelle Nautilus Shell. Mais c'est fantastique. Eh, je crois qu'aujourd'hui c'est l'épisode de la chance. Hein. Franchement, je vais le faire durer, donc ça c'est cool. Voilà, ça c'est bon. Eh ben les gars, vous savez ce qu'on va faire? On va essayer de faire un modèle de lampadaire sous l'eau. Je sais pas si c'est possible. Genre, regardez, déjà, on va mettre un lampadaire ici, d'accord? On va mettre un lampadaire ici. Alors, attendez, on va voir. 1, 2, 3. On va le faire monter de 4. Alors là, si je fais ça, ce sera moche. Hein. Ah! Ah! Ça, c'est con, ça. Non. Ça va pas être possible. Ça, c'est très, 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 très laid, là, la bulle d'air. Non, je suis pas d'accord. Bon, alors, on va oublier les lampadaires avec ça. Je pensais qu'on aurait pu faire ça, mais non, on va pas... On va oublier... C'est super agréable de pouvoir respirer sous l'eau à l'infini, les gars. On va faire ça avec des 6 lanternes, alors, attendez. On va faire ça avec des 6 lanternes. D'ailleurs, ce sera même plus simple. Regardez, il suffit juste de poser là. Hop. Après, c'est peut-être pas spécialement beau. Je sais pas ce que vous en pensez. En vrai, c'est... En vrai, ça va, mais... Alors, attendez, je vais prendre ma Silk Touch parce que la flemme... Hop, peut-être... Reviens par là, toi. Peut-être si on réduisait de 1 la hauteur des lampadaires, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, plutôt comme ça. Ah, ce serait peut-être mieux. Un lampadaire plus petit comme ça, voilà, ça ce serait plutôt pas mal. En vrai, je pense que ça c'est un petit peu mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, je pense que c'est un petit peu mieux. Si vous avez des idées... Qu'est-ce qu'il a lui là-bas? Je l'ai vu, là, il a des pop. Ah non, il est encore là, c'est bon. Si vous avez des idées, les chemins, genre on va pas les faire en terre, je pense, mais voilà, si vous avez des idées de blocs à utiliser pour faire les chemins, genre pour marcher, tu vois, genre, admettons qu'on marche, bah n'hésitez pas à me dire en commentaire, je prends toutes vos astuces, d'accord? Donc dites-moi tout ça en commentaire. Et vous savez ce qu'on va faire? C'était ce que je voulais faire aujourd'hui aussi. On va aménager notre petit dôme. T'as comme il fait sombre. Eh, attendez, si je remets le shader, attendez. Je vais remettre le shader et voir si sous l'eau, ça rendrait pas bien avec la vision nocturne et tout. Parce qu'en vrai, du coup, ça se peut que ça va être magnifique maintenant. Hop. Voilà, donc là, on voit rien. Il fait très très nuit. Et si je vais là? Ah ouais, on voit quand même rien. C'est dommage, hein. Franchement, c'est dommage. Mais ça, c'est parce qu'il fait nuit. Ouais, là, il fait nuit, en fait. C'est pour ça, quand il fait jour, on voit mieux sous l'eau. Mais tout de même, c'est quand même mieux sans shader, je trouve. Voilà. Hop, du coup, je vais enlever ça parce que ça va me déranger. Je vais les mettre là en attendant. Et donc, en fait, mon idée, vous savez, c'est que j'aimerais... Alors, vous savez que j'ai du quartz, j'en ai là. J'aimerais donc faire mon lit, genre, en haut, en hauteur, tu vois, genre sur un espace en hauteur. Alors, ce qu'on va faire, pour éviter de... Voilà, on va utiliser ça. On va utiliser ça. Ça va nous permettre de choisir la bonne hauteur sans se cogner la tête. C'est-à-dire que là, bon là je vais tout en haut, c'est pas bon, casse-toi. Voilà. Genre là, à cette hauteur, non. Par contre, à cette hauteur, peut-être que oui. Est-ce que je peux poser des blocs là? Oui, je peux. Alors là, si je mets à cette hauteur là le lit, ouais, voilà, c'est trop bas. Hein. Donc faut le mettre à 1 au-dessus, d'accord? Hop. Donc on monte de 1. Non, monte gros, tu fais quoi? Eh, comment on fait? Faut mettre là? Ah ok, je découvre encore la 1.15, tu sais. Donc là, ici. Si on fait à cette hauteur, c'est parfait. Faut voir maintenant d'en bas si ça dérange. En bas, ça dérange pas. Voilà. Et tu vois, et en gros, le lit, le faire là-haut. C'est bon, ça! Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un truc très intelligent. On va faire symétrique à ça, là. On va faire un rappel. Oh, je suis méga intelligent. Hop, 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 hop. Donc... Ici, mince, ça c'est pas bon. Voilà. Non. Voilà, comme ça, ça fait un rappel au sol. Tu vois, c'est la même forme que le sol. Oh là là. Et du coup, on pourrait même, regardez, ça ferait très futuriste. Mais ici, mettre les 6 lanternes également. Ah bah non, parce que du coup, comme dit, là c'est... Non, là par contre, ça ferait pas bon. Et là, ça fait vraiment vaisseau spatial d'ailleurs, mais là c'est pas bon parce que ça va pas avec la slab. Donc c'est pas grave, tant mieux, tant mieux. En vrai, j'aurais trouvé que ça ferait trop. Donc tant mieux qu'on puisse pas le faire et on va pas le faire. Parfait.
Ah, par contre, j'aurais pu mettre du vert. Bah non, le vert, ça marcherait non plus pas, ça débloque. Donc voilà. Après, comment monter en haut, ça, c'est une autre histoire. Est-ce que je mets des escaliers? Oui, je pense. Enfin, on va pas utiliser des échelles. Franchement, je trouverais ça nul, pour le coup. Par là. En fait, faut juste savoir comment je veux faire les choses. C'est-à-dire que, bah là, en vrai... Ah bah, tu sais quoi? Comme là, j'ai mis le cœur de la mer, là, on pourra pas faire de tunnel. Donc on fera un truc souterrain par là, d'accord? Il y aura un tunnel souterrain par là. Et vous savez quoi? J'ai pas une pancarte sur moi, mais c'est pas grave, je vais m'en rappeler. Ici, ce sera pour accéder à une petite bulle qui nous permettra d'être dans les coraux, d'accord? Pareil, d'ailleurs, ouais, une idée que j'ai eue, en fait, c'est que je vais faire donc plusieurs dômes de verre. Et chaque dôme de verre aura une utilité. Genre, en gros, il y aura un dôme de verre, ce sera pour les gros enchantements. Genre, il y aura une grande table d'enchant avec plein de bouquins, niveau 30 et tout. Il y aura un autre dôme, ce sera pour tout ce qui est alchimie. Genre, voilà, genre dans ce dôme, on pourra avoir tous les bouteilles d'XP, tous les trucs pour faire des potions, quoi, tu vois. Et genre, voilà, tout ce genre de trucs. Genre, bah, c'est super pratique. Par exemple, dans mon M-Cocon, bah, forcément, voilà, je peux pas faire des gros enchantes. Pareil, je pourrais faire un dôme de verre où il y aura que des fours. Ou genre, je pourrais faire cuire plein de bouffe et tout. Genre, une cuisine quoi, un dôme de verre cuisine. On pourra faire un dôme de verre restaurant aussi, pourquoi pas du coup, parce que c'est un objectif à la base d'un abonné, faire un restaurant sous l'eau. Enfin bref, voilà. Genre, j'ai plein d'idées. Oh là là. Oh, on va repartir en live sur YouTube, les gars. Tout ça, ça va partir en live, hein. Moi, je vous le dis direct. Hein. Bon, ça nous dit toujours pas les escaliers. Alors là, on fera un truc donc sous terre. Vous savez quoi, je vais déjà commencer à. Comme ça, on sait. Là, il y aura un escalier qui descendra. D'accord, voilà, c'est dit, c'est fait. Ici, là, on pourra faire un, tunnel. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie de casser les coraux, quoi. J'ai pas envie de casser les coraux. Bon, là, de toute évidence, on pourra mettre un tunnel, là, par contre. Là, par ici, on mettra un tunnel. Et le tunnel, il sera relié à un autre dôme qui sera là-bas. Et cet autre dôme qui sera là-bas, lui, il aura un chemin sous terre qui reliera la maison de BXNO, donc là où j'habite. Et qui reliera également la maison champignon à objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment, je vais vous faire un dessin schéma, je vais vous le mettre au montage. Mais enfin voilà quoi, c'est bon ça. C'est bon ça. Voilà, bon, donc j'ai toujours pas l'escalier, donc comment le faire? Bah du coup, en vrai... Ah, bah voilà, mais attendez. Voilà. Et là, et ben voilà. Et ben voilà. Et alors attendez, hop, ça dégage, bon ça on va enlever. Ouais mais attendez, ça... ah oui mais voilà, ça me dérangeait, je me disais bien qu'il y avait un truc qui clochait là. Donc là je vais mettre des slabs pour cacher parce que ça fait un peu moche. Et tous ces bruits là. Ah bah c'est plein de poissons qui naviguent autour de nous. Mais j'aime pas l'idée en fait. Enfin j'aime bien les escaliers à l'envers. Voilà, là au moins, ouais voilà. Bon là je vais pas pouvoir. Ah bah attends, là je vais mettre des escaliers à l'envers du coup. Voilà. Là c'est mieux. Et ben voilà. Et ben les gars, c'est bon ça. Là voilà, on a notre petit truc un peu genre, tu sais, ça ressemble à un tremplin. Genre ça tient vraiment sur ce pilier quoi. Et donc là on va pouvoir mettre le lit en haut. Genre hop hop, mince. Donc tac tac. Et ben voilà. Petite lanterne, bon, on verra pour les lumières en vrai hein. Et ben voilà les gars, en vrai c'est pas sympa, et quand on va dormir on va voir le ciel, enfin on va voir le... Oh là là, c'est bon ça. Voilà, donc ça c'est pour le petit lit pour le moment temporaire, parce qu'on, je veux dire, on fera de la déco, hein. On va se débrouiller. Ensuite, donc ça, et ben voilà, là je suis trop content. Donc là pour résumer, là on va faire un tunnel sous terre qui nous permettra d'aller dans des petits dômes, des minuscules dômes à la surface, donc pour aller entre les coraux. Par ici on va faire un tunnel qui est visible donc dans l'eau là, un tunnel surélevé, là on va surélever un tunnel donc pour relier à un autre dôme. Cet autre dôme il va pouvoir relier bah, d'autres dômes, et surtout relier notre maison, la maison de BXNO, et notre maison champignon, donc voilà, le monument à victoire quoi. Et ben c'est bon ça. Ah c'est bon ça. Ah je suis content. Ah je suis sincèrement content. Si vous avez des idées pour les lampadaires, n'hésitez pas à me dire. Si vous avez des idées
Donc pour les chemins, dites-moi également aussi. Et d'autres idées dans le genre, n'hésitez pas. Là franchement, je pense qu'on est parti pour des épisodes. Et pareil, on va faire des lives. Là je suis grave hypé par ça. C'était pas prévu à la base, c'est vrai que du coup je voulais faire plein d'épisodes avec les acolytes. Et on va en faire, vous inquiétez pas, on fera des pauses et on fera ça de temps en temps avec les acolytes. Mais là je suis grave hypé par ce projet et c'est vraiment le projet du moment. Au-delà de tous les objectifs que vous m'avez proposés, là j'ai vraiment envie de faire ça, vraiment. Donc donnez-moi des conseils, des idées. Et on va se retrouver en live hein, pour la continuité de tout ça, quoi, hein, très clairement. Bref, n'hésitez pas à passer en description, les amis. En description, je vous mettrai plein de liens. Je vous invite vraiment à aller les consulter. Donc c'est sur mon site mcolo.fr. Je vous mettrai des articles que j'ai rédigés moi-même, que j'ai pris du plaisir à écrire. Si vous voulez vraiment les lire, n'hésitez pas. Donc par rapport à des maps Minecraft nostalgiques, pareil. Aux musiques du jeu de Minecraft, Madventure, donc les avancées du serveur, etc. N'hésitez pas à consulter tout ça. Moi, ça m'encourage. Et puis, bah voilà, ça fait plaisir. Si cette vidéo vous a plu, maximum 2 pouces bleus, je compte sur vous. Voilà, toi qui regardes cette vidéo, si tu mets pas de like habituellement, eh bien, je t'encourage vraiment à le faire. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je t'en serais très reconnaissant. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et donc, de prochains lives. C'était Mcolo. Je suis très, très, très content. Ciao, ciao tout le monde!